International, fashion culture. Mon cher enfant, les beaux jours reviennent et avec eux pour les vacances, mon fils adoré. Je sais que tes études sur les côtes américaines te prennent tout ton temps, mais j'aurais aimé quelques mots de toi, au moins une lettre pour chacune des saisons. Enfin, dans quelques jours, tu seras auprès de moi à Paris. Je nous ai concocté quelques belles promenades. Je ne souhaite qu'une chose, sortir au plus vite de l'agitation de la capitale, et te propose donc une balade au Vers-sur-Oise dès le premier week-end de ton retour. L'air frais te fera le plus grand bien. Nous commencerons notre périple dans la ville par la visite de l'atelier du peintre d'Aubigny. Ta grand-mère paternelle possédait un tableau de ce peintre. Rappelle-toi cette toile dans son salon, cette vue de Paris dans le pont de Concorde au couchant du soleil que nous retrouverons dans l'exposition que lui consacre son musée à quelques pas de l'atelier. Toute la ville est en ébullition à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Puis, nous nous rendrons au musée de l'Absinthe, où on nous offrira peut-être, après la visite, une petite dégustation. En attendant, je te donne la recette en avant-première. 1. Versez l'absinthe en utilisant la petite boule creuse au fond du verre comme doseur. 2. Posez la cuillère à absinthe sur le verre. 3. Mettre un demi-sucre sur la cuillère. 4. Laissez tomber l'eau très fraîche, goutte à goutte, de la fontaine sur le sucre. 1 volume d'absinthe pour 5 ou 6 volumes d'eau. Mis en appétit par le petit goût anisé de la boisson, je t'inviterai au relais des peintres pour un déjeuner bistrot gastronomique. Au menu, entrée, terrine de porc avec une pente de veau accompagnée de 3 perles à l'échalote. C'est de la cuisine moléculaire. Plat, filet de poulet avec graines de sésame accompagné d'une purée de pommes de terre surmontée d'un peu de chantilly et de ces perles de vinaigre balsamique aux truffes, toujours cuisine moléculaire. Café gourmand, poire pochée, mousse au chocolat et crème praline. Bien restauré, nous poursuivrons notre exploration de la ville d'Auvers-sur-Oise par la visite de la maison du docteur Gachet. Ce médecin et collectionneur, ami de Van Gogh, dont il achètera 3 toiles aujourd'hui conservées au musée d'Orsay, était membre de la société d'artistes Les Éclectiques, pour laquelle il réalisa plusieurs gravures, utilisées comme carton d'invitation pour leurs repas réguliers, toutes rassemblées actuellement dans une belle exposition. Nous ferons ensuite un petit détour par l'atelier Bogueo, ces artistes partis du Venezuela, qui posent son chevalet dans la petite ville des peintres afin de représenter ces sujets si anodins prétexte de peinture. Enfin, nous ne pourrons quitter ce lieu sans nous rendre dans la chambre de Van Gogh, où l'émotion nous gagnera peut-être. Mon cher Télémaque, j'espère que cette promenade te plaira et peut-être qu'elle te donnera envie d'avancer ton retour auprès de ta très chère maman, impatiente de partager avec toi sa passion pour l'art et les expositions. T'embrasse très fort, Pénélope. PS, n'oublie pas ton appareil photo.